Cécile Denry, vous étiez au Palais de Justice de Paris hein, pour ces rendez-vous très importants pour les deux protagonistes de cette affaire, Alexandre Benalla et Vincent Crase. La décision de l'incarcération, elle était évidemment redoutée. Évidemment, parce que dès le début de cette journée, il était convoqué à 11h, Alexandre Benalla, par le juge d'instruction. Le ton a été donné puisque tout de suite, le juge lui a signifié qu'il considérait qu'il était en infraction, en violation de son contrôle judiciaire via ses enregistrements révélés par Mediapart, puisqu'on l'entend dialoguer avec Vincent Crase à une date, le 28 juillet, à laquelle il était mis en examen avec interdiction d'entrer en contact avec lui. Le juge lui a tout de suite dit que pour lui, eh bien, eu égard à cette violation, un placement en détention provisoire était son souhait. Le parquet a requis ce placement en détention provisoire et derrière, du coup, il fallait qu'il y ait cette audience devant le juge des libertés et de la détention, audience qui a eu lieu ce soir, il y a seulement quelques heures. C'était très long, beaucoup d'attentes, beaucoup de tensions pour les avocats qui, effectivement, sentaient bien que le ton avait changé, que la position des juges s'était durcie envers Alexandre Benalla. Et voilà, ce soir, c'est un placement en détention qui a été décidé. Merci beaucoup, Cécile Denry. Parmi les réactions, Esther Benbassa, bonsoir. Bonsoir Esther Benbassa, est-ce que vous m'entendez? Moi je vous entends très bien. Très bien, sénatrice Europe Écologie des Verts, quel est votre sentiment après cette décision de justice? Je trouve que c'est une bonne décision parce que les gens qu'on voit dans les rues, les gilets jaunes que je suis dans les manifestations et dans les marchés, les gens parlent de Benalla sans arrêt en disant qu'en France, il y a il y a une justice à deux vitesses. Et c'est malheureux que nos citoyennes et citoyens ne pensent M. Benalla, protégé par M. Macron, a fait à sa tête. Et aujourd'hui, il est en détention provisoire pour avoir violé le contrôle judiciaire. Il était temps, maintenant espérons que la pelote va se dérouler et que ce monsieur ne restera pas impuni et que demain, j'espère, nous avons une réunion à 8h et nous allons voter pour le rapport. Et j'espère qu'on demandera que M. Benalla soit jugé pour parjure et ce sera une chose importante. Madame Benbassa, tout à l'heure, votre collègue du Sénat, François Grosdidier, qui était notre invité ici sur BFM TV, nous a dit « il nous a baladés ». Est-ce que vous avez ce sentiment aussi? Bien sûr, il nous a roulés dans la farine. Voilà, et c'est malheureux quand même. Parce que bon, on savait qu'il... C'est malheureux et c'est grave, non? Oui, mais enfin, c'est malheureux qu'il se soit permis aussi ça. Enfin, il nous mentait en nous regardant dans les yeux. Alors, il me semble qu'il est temps, là, que les choses prennent une autre tournure et que la justice s'en soit saisie d'une manière déterminée. Merci beaucoup, Esther Benbassa. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir sur BFM TV. Nos invités, Ilana Sicurel, bonsoir. Bonsoir. Membre du bureau exécutif de La République En Marche, Manuel Bompard, bonsoir. Bonsoir. Numéro 2 sur la liste La France Insoumise aux élections européennes, Laurent Salier, bonsoir. Bonsoir. Porte-parole des Républicains et Bruno Jeudy. Bruno, c'est une affaire qui n'en finit pas et qui est, au-delà du feuilleton, finalement de plus en plus embarrassante pour ses protagonistes et peut-être aussi pour la majorité, le gouvernement, l'Élysée. Ben, c'est surtout que pour Alexandre Benalla et son comparse Crase, c'est la provocation de trop, la violation du contrôle judiciaire qui est sanctionnée ce soir par une mise en détention. Alors sur... on ne rentrera pas sur le fond, peut-être que c'est sévère comme décision. Hein. La mise en détention d'un homme, c'est toujours compliqué. Mais c'est vrai qu'il a accumulé les raisons de se retrouver dans cette nasse, en quelque sorte. Hein. Tout ce qui a été révélé depuis notamment Noël, hein, puisqu'il y a une accélération qui a d'ailleurs conduit à une deuxième audition devant la commission sénatoriale, où il y a un parjure manifeste. De toute façon, il s'était mis dans une situation qui était absolument compliquée pour lui.
Alors évidemment, pour ce qui est d'Emmanuel Macron et du pouvoir, j'allais dire, le préjudice est déjà lourd et déjà largement consommé avec tout ce qui s'est passé pendant l'été. Et on sait que cette affaire a été un peu le début des ennuis pour Emmanuel Macron, qui jusqu'à cette affaire Benalla, au fond, avançait haut dans les sondages et tout allait bien. Et ça commençait à se compliquer à partir de ce moment-là. Et puis, la mise en détention ce soir, au fond, c'est quand même la trajectoire d'un homme qui est passé en 7 mois de l'Élysée à la casse-prison. Manuel Bompard, votre sentiment sur cette décision de justice ? Enfin. J'ai eu l'impression que, enfin, la justice s'active autour de M. Benalla. Et enfin, les protections dont il a disposé pour essayer de faire en sorte qu'il ne réponde pas de ses actes semblent disparaître. Donc je sais plus si on est à la saison 7 ou à la saison 8, je me suis un peu perdu dans les épisodes. Mais j'ai le sentiment, honnêtement j'en ai un peu marre moi de commencer l'affaire Benalla. Mais bon, enfin, et malheureusement il reste des zones de flou et j'espère que ce qui va se dérouler dans les prochains jours permettra d'en savoir plus sur ces zones de flou, sur qu'est-ce qu'il est advenu du coffre-fort de M. Benalla, le fameux. Sur les liens entre M. Benalla et ses oligarques russes, savoir si les négociations de ces contrats ont été faites. J'allais presque vous dire que le coffre-fort, par rapport à tout ce qu'on voit depuis quelques semaines, c'est presque devenu de la rigolade entre les passeports et les oligarques et les contrats à 2 millions d'euros. Bon. Je comprends que dans tous ces rebondissements, on s'y perde un peu, mais je trouve ça quand même étrange que quand on va perquisitionner chez M. Benalla, on le prévient la veille pour qu'il ait le temps de faire disparaître le coffre-fort. Enfin là, on ne peut pas soupçonner la justice ce soir de ne pas être... Enfin, Laurent Salier, votre sentiment sur cette affaire ? Sur la décision d'aujourd'hui, on a le sentiment que ça met fin à une forme de sentiment d'impunité qu'il pouvait peut-être avoir. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est justement les agissements qui ont été révélés ces derniers temps, et notamment avec les Russes. Parce que soit le président de la République n'était pas au courant, et c'est très grave, soit il était au courant et c'est très grave aussi. Donc de toute façon, tout ça nous renvoie encore à l'Élysée, nous renvoie encore au président de la République. Rappelons-nous que le président de la République faisait applaudir M. Benalla, nous demander un peu de compassion en disant que c'était un jeune qui avait fait quelques erreurs, et on se rend compte qu'en fait, on a affaire, il semblerait, à une personne qui était dans des affaires beaucoup plus importantes. Donc soit le président de la République n'est pas au courant de ce que fait son entourage, et effectivement, ça porte question. Soit il est au courant et là, il va devoir s'en expliquer. Nous nous demandons depuis le début à ce qu'il s'exprime, qu'il dise la vérité sur le rôle qu'avait M. Benalla dans son entourage et pourquoi il a bénéficié de tant de protections et de tant d'avantages. Nous attendons toujours depuis le mois de juillet. Ilana Sicurel, la majorité est embarrassée au minimum ? Non, pas embarrassée. Ce soir, c'est la suite logique de ce que nous disons depuis de nombreuses semaines, c'est que l'indépendance des pouvoirs fonctionne dans notre pays. Et que les juges se sont saisis de cette affaire, toute la vérité sera faite sur l'affaire Benalla, aussi douloureuse soit-elle. Mais je constate que l'opposition veut toujours revenir encore et encore sur cette affaire. J'ai déjà eu l'occasion de le dire sur votre plateau, voilà, c'est la dérive d'un homme, et toutes les conséquences seront tirées. Je n'ai jamais eu le moindre doute. C'est pas nous, madame, qui remettons à chaque fois la casserole la marmite sur le feu. Vous voyez bien qu'à chaque fois il y a des nouveaux événements qui sortent. C'est pas l'opposition qui crée ces événements et ces révélations. Vous voyez bien l'affaire des passeports, l'affaire de ces contrats russes. Vous ne pouvez pas dire que c'est la dérive seulement d'un homme. Ça voudrait dire que un très proche collaborateur du président de la République peut encaisser comme ça de telles sommes d'argent sans que personne ne le sache, avec en plus des Russes. Enfin, vous ne pouvez pas dire que c'est la dérive d'un homme. Là, ce n'est plus acceptable comme explication. Enfin, laisser entendre que le président de la République était au courant me semble pas, extrêmement mais grave. Même s'il ne l'était pas, c'est grave. Ça veut dire que vous êtes d'accord. Ça ne concerne pas que le président de la République. Qu'est-ce que vous dites, Manuel Bompard, pardon ? Je dis, il faut qu'il s'explique, vous êtes d'accord. Il faut que le président de la République nous donne des explications. Vous ne pensez pas ? Je veux dire, il y a une zone de flou, il y a des... M. Benalla, lui, aujourd'hui, est placé en détention, très bien. Mais il y a quelque chose qui s'est passé autour de l'Élysée, on aimerait en savoir un petit peu plus. Donc il faudrait que le président de la République nous donne toutes les explications. Quant au feuilleton, excusez-moi de vous le dire, mais vous aviez l'opportunité au mois de mai dernier de couper le cordon immédiatement, et il n'y aurait pas eu le feuilleton qui a duré maintenant depuis près d'un an.
Et c'est votre responsabilité d'avoir, dans un premier temps, tenté de protéger monsieur Benalla. Ce qui alimente le feuilleton, Bruno Jeudy, c'était très très bien expliqué tout à l'heure par François Grosdidier, qui était notre invité, sénateur Les Républicains de la Moselle. C'est le sentiment d'impunité de ce personnage qui, au fond, se sent peut-être absolument tout puissant, enfin, et ne voit absolument pas qu'il peut y avoir des problèmes autour de lui. Oui, il faut revenir à qui est Alexandre Benalla. Ouais. Hein, c'est un jeune homme qui commence par faire bénévolement la sécurité du candidat Emmanuel Macron lorsqu'il se lance dans cette aventure. À l'époque, peu de gens pensent qu'il puisse gagner l'élection présidentielle. Et il l'accompagne tout au long de cette campagne présidentielle. Et naturellement, comme c'est souvent le cas, il le suit à l'Élysée, à un poste relativement important. Il est chef de cabinet adjoint. Il s'occupe des déplacements, de la sécurité, manifestement, avec une volonté présidentielle de même lui confier la sécurité. C'est en tous les cas ce que les sénateurs laissent entendre dans les éléments de leur enquête, de leur commission d'enquête. Et on voit bien qu'Alexandre Benalla, comme on dit souvent, on peut dire de manière un peu triviale, il a pris la confiance et il s'est surtout sans doute senti un peu au-dessus des lois. C'est ce que disait monsieur Grosdidier, jusqu'à dépasser les bornes, mentir devant les sénateurs à la commission d'enquête et commettre un certain nombre de choses qui, aujourd'hui, lui sont reprochées par la justice et il devra rendre des comptes. Et c'est sans doute un atterrissage ce soir un peu brutal pour ce conseiller qui bénéficie quand même, il faut le rappeler, de la présomption d'innocence. Hein. On va voir jusqu'où ira l'enquête. Oui, enfin, ce soir, ce qui lui vaut d'être envoyé en prison ce soir, c'est d'avoir, comme vous le disiez à l'instant, pris la confiance. C'est les fameux enregistrements de Mediapart. Absolument. Où on l'entend dire, j'ai le soutien du président. Enfin, en tout cas, pas de façon aussi explicite, mais c'est ce qu'on comprend. Enfin, d'ailleurs, à ce sujet, j'aimerais qu'on regarde ensemble une petite archive, c'est pas si vieux, hein. C'était l'été dernier, c'est Emmanuel Macron qui parle d'Alexandre Benalla. Alexandre Benalla, c'est quelqu'un qui nous a accompagnés pendant la campagne, avec beaucoup de courage et d'engagement. Et quoi qu'il advienne, et quoi qu'il se passe dans cette affaire, je n'ai pas à oublier cet engagement ou à ne pas me souvenir ce qu'il a fait, qu'il a été. Il l'a fait. Ce sont des images terribles, Ilana Sicurel, parce qu'on voit le 24 juillet, le président qui fait applaudir Alexandre Benalla. Quand on voit aujourd'hui, on en est mi-février, à ce que ce personnage soit en prison. Je reprends la phrase, la question de M. Bompard. Est-ce qu'on n'aurait pas au minimum besoin d'explications? Mais je crois pas seulement judiciaires. Je crois que dans un premier temps, il faut laisser travailler la justice. Il y a le principe de séparation des pouvoirs. Et je pense que, si vous voulez, on a toujours tort dans cette affaire Benalla parce que tout le monde nous a dit il y a deux poids, deux mesures. Aujourd'hui, la sévérité de la justice, probablement à juste titre, tombe sur M. Benalla. Et tout le monde est là en disant donc c'est très grave. Donc si vous voulez, je pense que maintenant, au moment où on parle, et c'est toujours cela qui est un peu troublant, c'est que oui, le président de la République a fait confiance à un homme et cet homme avait un autre visage qu'il n'avait pas soupçonné. Et au moment où il parle en juillet, c'est probablement le cas. Est-ce que, pour autant, ça en fait une affaire d'État? Je ne le pense pas parce que l'autorité de M. Benalla dans le dispositif d'État est quand même extrêmement limitée. Donc, la bonne décision a été prise. M. Benalla n'a plus rien à voir avec l'appareil d'État. La justice est saisie, va aller jusqu'au bout. Nous serons informés. Peut-être qu'un jour, le président de la République décidera d'en parler. Mais je crois que maintenant, il faut tourner la page et laisser surtout la justice faire son travail. On est en démocratie, on suivra cette affaire, mais pour moi, elle ne relève mais plus de l'affaire d'État. Emmanuel Macron, n'est pas un citoyen comme les autres, il est président de la République. Mais c'est un homme, madame. D'accord, mais vous comprenez bien que ça engage et ça questionne sur le fonctionnement même de l'Élysée et le fonctionnement même des institutions. Et c'est bien le travail que va rendre demain le Sénat. Parce que quand on est président de la République, on se doit d'être protégé. Et apparemment, s'il a été protégé par cette personne ou s'il allait confier sa protection à cette personne, c'est quand même quelque chose d'assez perturbant et inquiétant. Et quand même, M. Benalla a eu accès, pardon, à un certain nombre de données sensibles. Quand vous êtes aux côtés du président de la République comme il l'a été tout le temps, ça veut dire que M. Benalla connaît un certain nombre de choses
sur la France, sur la République, sur le fonctionnement de l'Élysée, et de savoir aujourd'hui qu'il avait ce type de relation, ou de savoir aujourd'hui que c'était pas le personnage qu'on croyait être, comprenait que les Français se posent la question et qu'il y a une rupture de confiance qui s'est vue, c'est vrai, à partir de juillet. Mais vous savez, vous dites toujours que c'est une affaire d'été, puis une affaire de... Oui, mais c'est une affaire quand même qui s'aggrave de jour en jour. Tempête dans un verre d'eau. Tempête dans un verre d'eau, mais... Sacré verre d'eau. C'est arrivé dans l'histoire où vous avez des aventuriers comme ça qui, à un moment donné, font partie de la pareil d'État, l'important c'est de s'en séparer et je ne suis pas inquiète. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? Parce que ça veut dire qu'au moment de la contrescarpe, ça veut dire qu'il y avait de la violence, il y avait du mensonge, il y avait de la dissimulation et qu'Emmanuel Macron a accepté tout ceci. Bien sûr. Cette scène était très violente. Accepter d'un collaborateur qu'il frappe d'autres personnes, c'est quand même quelque chose qui est assez surprenant. Et là, il pouvait tout à fait, comme le disait... Non, parce que là, rappelez-vous, il n'a pas pris les sanctions qui étaient... Et rappelez-vous que le porte-parole de l'Élysée, qui d'ailleurs maintenant n'est plus en poste, nous avait expliqué d'ailleurs qu'il avait été, qu'il n'avait plus ses salaires. On s'est rendu compte après que ce n'était pas la vérité. Donc vous voyez bien quand même qu'il y a un imbroglio dès le départ qui a fait que ça a semé le doute et qu'aujourd'hui, des mois après, eh ben, le doute reste et que ce doute doit être levé et levé par le président de la République.